se rencontrer par hasard ici ailleurs, autre part, il se peut que tu t'en souviennes. Sans se connaître, on s'est aimé, et même si ce n'est pas vrai, il faut croire à l'histoire ancienne. Je t'ai donné ce que j'avais, de quoi chanter, de quoi rêver, et tu croyais en ma bohème. Mais si tu pensais à 20 ans, qu'on peut vivre de l'air du temps, ton point de vue est le même. Cette fameuse fin du mois qui depuis qu'on est toi et moi me revient 7 fois par semaine. Et nos soirées sans cinéma et mon succès qui ne vient pas et notre pitance incertaine. Tu vois, je n'ai rien oublié de ce bilan triste à pleurer. Je constate notre faillite. Il te reste encore de beaux jours. Profitez-en, mon âme, des belles années passent vite. Et maintenant, tu vas partir, tous les deux nous allons vieillir, chacun pour soi, comme c'est triste. Tu peux remporter le phono, moi je conserve le piano, je continue ma vie d'artiste. You know how I feel. You're the one free. You know how I feel.
rouge. Après la voilà. D'un air sourit à son miroir. Ça fait bien de 30 ans. Elle fait ça tous les soirs. Puis elle prend son visage à deux mains, le caresse comme si ça n'était plus le sien. Puis elle prend les fards et les crayons, se dessine un sourire avec application. Les fossiles, la longue robe noire, les souliers de satin, la perruque d'argent. Maintenant, la chanteuse a 20 ans. Puis elle rentre, elle écarte les bras, comme si elle rentrait pour la première fois. Puis elle chante avec cette voix-là, comme disent les journaux qu'on ne remplace pas. Avançant, nous allons rentrer en écartant les bras comme si...
piano noir des musiciens. Et servait bien chaud. Beaucoup de folie et beaucoup d'amour. Voilà Je suis venu te dire que je m'en vais par Christophe Nicolas Biot. Alors, quand on aime, on applaudit. Quand on adore, on se lève. Christophe Nicolas Biot. C'est le reflet du titre de son show. Je suis venu te dire que je m'en vais avec ses collaborateurs. Il mérite vos applaudissements. Johan Dazili, Maïline Hancock, Kevin Dos Santos, Anthony Oliveira, Romain Durand, Sylvain Tircaz, Michael Schum, les maquillages, Vichika Yorn, le stylisme, Véronique Suchet et Véronique Droulez, et la team artistique avec Marc Cassé, Nicolas Duboulet et Eliane Boss. Le directeur artistique de la Marc Cazé. Mesdames, messieurs, vos applaudissements pour Christophe Nicolas Biot. Je suis venu te dire que je m'en vais. C'est faux, archi faux. On en veut encore parce que vos applaudissements en redemandent. Christophe, est-ce qu'on a imaginé, en cette période difficile, de retrouver cette féerie de cette salle remplie avec tous ces gens passionnés que vous êtes, mesdames, mesdemoiselles, messieurs? C'est du bonheur qu'on t'offre aussi sur un plateau qui nous a fait rêver. Il ne faut pas partir comme ça. Et celles et ceux qui t'applaudissent maintenant reconnaissent en toi un grand talent. Mesdames, messieurs, Christophe Nicolas Biot. Alors, vous savez, j'ai la joie d'être le directeur artistique de la France. Et vous savez, dans la vie, il y a des rencontres. Il y a quelques années, un jeune coiffeur créateur, plein d'énergie et plein d'envie. Il y a des moments de vie, une vie passionnante, avec pas mal de temps passé aux côtés de cet immense artiste. Il y a des moments un peu différents, un peu plus graves, qui sont des changements, des évolutions là dans la vie. Et effectivement, je laisserai Christophe, Nicolas en parler. Mais il y a surtout des moments exceptionnels qui sont déjà une chance que l'on peut peut-être avoir dans la vie d'un directeur artistique, rencontrer une personne comme Monsieur Christophe Nicolas Biot et l'avoir dans son équipe. C'est pour vous. Habituellement, c'est dur de parler après un show, mais là, c'est encore plus difficile. Voilà, c'est... Christophe Nicolas Biot.
que de l'amour, que de la passion, que de l'émotion, de la créativité, de la puissance et des moments partagés. C'est voulu, c'est réfléchi, ça fait partie d'un chapitre qui se tourne. C'est toute une vie. Alors résumer toute une vie en 30 minutes, c'est évidemment compliqué. J'ai essayé de raconter une histoire aujourd'hui avec une ouverture s'adresser à vous quand on s'est rencontrés. Et puis j'ai fait mon chemin d'artiste. J'ai rencontré plein de gens qui sont artistiques. Ça a été une chance. Voilà, et après pas mal de choses, on construit une image. Cette image, elle commence à grandir, elle commence à rencontrer un public comme vous. Et c'est merveilleux parce que vous avez toujours été au rendez-vous. J'ai toujours travaillé devant des salles pleines avec des standing ovations à la fin. Je n'ai pas préparé ce message. J'avais encore quelqu'un avec moi juste derrière qui me disait, il fait encore, une fois de plus, comme à toutes les fois, lever la salle. Mais c'est vous qui vous levez. Parce que moi je suis là-dessus avec les lumières, avec les projecteurs. Et puis vous, vous êtes là et vous êtes présent. Alors moi je suis en lumière, vous n'êtes pas, mais vous savez aussi reconnaître le travail, le talent. Et ça c'est exceptionnel en fait. Je ne vais pas vous dire que ça ne va pas me manquer, bien sûr. Ça va certainement manquer. Mais dans la vie, il y a un moment où on a tout raconté. Et il faut savoir passer à autre chose. Alors je ne quitte pas le métier, je ne quitte pas la scène, mais c'est ces shows qui ont fait cette marque de fabrique avec cette théâtralité, cette gestuelle. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut refermer ce livre. Et puis il faut raconter une nouvelle histoire. Une histoire peut-être plus didactique, plus technique, mais plus riche aussi, peut-être, on verra. J'essaierai en tout cas de vous plaire avec ces nouveaux messages artistiques. En tout cas, vous m'avez apporté énormément de plaisir, énormément de bonheur pendant toutes ces années. Moi, je suis monté sur scène à 17 ans la première fois pour assister à un grand monsieur de la haute coiffure française. Il s'appelait Guy-Noël Baquet. Et il m'a donné la chance de pouvoir travailler sur cette prestigieuse scène. Et j'ai jamais arrêté ensuite. J'ai été pris par ce flambeau de la scène. La scène, c'est chez moi. Je me sens comme dans mon lit, comme dans ma piscine. J'ai aucun trac quand je monte sur scène. J'ai juste le trac de me dire est-ce que ça va leur plaire ou est-ce que ça ne va pas leur plaire. Alors, je vais remercier rapidement celle qui m'accompagne depuis maintenant plus de 16 ans, c'est-à-dire Patricia Green, qui est aux commandes des Lumières. Le premier MCB ensemble, c'était magique. C'est aussi des souvenirs qu'on garde en images, qui font partie de tout mon, toute ma bibliothèque d'images. Marc, parce que Marc, c'est quelqu'un d'assez incroyable dans notre vie, enfin à lui et à moi, parce qu'on s'est croisés, on était un petit peu plus jeune que lui. Mais, c'est vrai. C'est vrai. Mais il était en coulisses de la haute coiffure française. Et il était aussi, parce qu'il était un jeune prodige, et aussi des coiffeurs réunis. Je me souviendrai toute ma vie qu'il expliquait à un de ses collègues, à la fin de sa prestation, que dorénavant, il avait pris le parti de couper les mèches dans un sens et plus dans l'autre. Et ça m'est resté toute ma vie. Je ne sais pas pourquoi, voilà, il y a des choses comme ça qu'on imprime sur les gens. Puis ensuite, on s'est retrouvés, il y a plus de 12 ans, pour construire cette belle histoire et qu'il faut rendre quand même à César ce qui est à César. C'est-à-dire que la Maison Vella a permis de me mettre sur orbite comme aucun autre avant. Parce que je tiens à le dire, il n'y a pas de flagornerie, ce n'est pas du brossage de poils, ce n'est pas mon style. C'est
grâce à Bella que j'ai pu faire tout ce que je voulais, m'exprimer comme je voulais, sans jamais avoir à rendre de compte de quoi que ce soit, sur une musique, sur une image. Et ça, c'est merveilleux. Merci, merci Marc Hazel, merci Bella, merci. Les sublimes filles, il faut aussi les applaudir parce que beaucoup d'entre elles m'accompagnent depuis plus de 10 ans. Moi, je suis un garçon très fidèle. Et puis, je vieillis, alors j'aime vieillir avec les filles qui m'entourent. Ça me rassure, quelque part. Et c'est pareil dans les équipes. Moi, j'ai les gens qui me ressemblent. Et je pense que dans la vie, on attire les gens qui nous ressemblent. Ça, c'est indéniable. On attire la clientèle qui nous ressemble. Et on attire les amis qui nous ressemblent. Et on attire l'amour qui nous ressemble. C'est vrai. Je vous assure. Merci les filles, merci pour cette fidélité. Merci à mon maquilleur adoré. Il fait tout ce que je lui demande, il est exceptionnel, ça fait plus de 12 ans qu'on travaille ensemble, 14 ans. Et Vichy Kayorn, un grand maquilleur, je l'adore. Le stylisme exceptionnel a été fait par Greg Mephistoceles et évidemment une styliste talentueuse qui s'appelle Véronique Droulet, qui a un talent de fou. Elle est folle, mais c'est extraordinaire. Regardez. Je veux qu'on l'applaudisse très fort. Écoutez, ce n'est pas un adieu définitif, c'est un adieu sur cette thématique. Et je compte bien vous surprendre avec d'autres choses, avec un autre Christophe Nicolas Biot, d'ailleurs dans 8 jours, que je vais avoir l'honneur de présenter puisque je suis le premier artiste français de l'écurie Bella à pouvoir monter sur la scène du Tribute. Et ça, c'est vraiment un grand honneur que me fait le Tribute et Mike Vincent. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci d'être venu. Je sais que c'est pas simple. Merci à tous. Continuez ce métier avec toute la passion, avec ce qui vous entraîne. Et puis, à très vite. Merci. Au revoir. Je suis venu te dire...